Il est 18h, ouverture du club sport. Bonsoir et bienvenue dans le club sport Objectif Gare. Chaque vendredi en direct à 18h est le lieu pour connaître toutes les infos des clubs gardois avant les rencontres sportives du week-end. Et ce soir, ce n'est pas un, mais deux invités qui sont avec nous en plateau. Patrice Baumel, ancien entraîneur adjoint, entre autres du Nîmes Olympique de 2005 à 2008. C'est ça. Et double champion d'Afrique aussi aux côtés d'Hervé Renard. Bonsoir Patrice, merci d'être Bonsoir avec nous. Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous. Bon, on va parler du Nîmes Olympique, avec toujours plaisir, présent pour répondre, pour parler des crocos. Et puis à côté de toi, Xavier Mouret, président du Stade Bocquerois 30, qui est avec nous. Comment ça va Xavier? Ça va très bien, bonsoir Quentin, bonsoir tout le monde. Bon, content d'être ici? Oui, très ravi. On a pas mal de... Vous avez suivi cette semaine, hein, pas mal d'actualités. Puis pour en parler, alors lui il est là chaque vendredi, c'est notre consultant indémodable, Patrick Chan, ancien entraîneur, joueur du Nîmes Olympique. On ne va pas citer tous les clubs gardois par lesquels tu es passé, Patrick. Comment ça va, Patrick? Ben, ça va très bien, puis je suis ravi qu'on reçoive deux personnalités du football gardois. Eh bien oui, bon, Xavier, que tu connais, et Patrice aussi, tu ne l'as pas entraîné, tu l'as... Non, mais Patrice, je l'ai vu faire, je l'ai vu jouer, entraîner. Je crois que c'est quelqu'un qui mériterait d'avoir une place de coach en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et ben on va en parler, il va nous dire un petit peu aussi son actualité dans cette émission. Patrick, on a vécu il y a quelques semaines, on n'a pas parlé dans cette émission, mais la fin du Stade des Costières, comment est-ce que tu as versé ta petite larme à la fin? Ouais, disons que c'était vraiment un peu prenant, parce que de quitter un stade qui pour moi n'est pas le stade Jean-Bouin, puisque j'ai pu faire les deux, mais je crois qu'il y avait quand même de l'émotion. Les gens sont même partis avec des fauteuils, oui, de pelouse, se serait cru au Maracana, il y a plus quelque rien. Chose d'extraordinaire, c'était fabuleux, les gens s'embrassaient, et on voit quand même qu'à Nîmes Olympique, le football n'est pas mort, quand on voit autant de spectateurs venir pour une dernière rencontre au stade des Costières, c'était que du bonus. Patrice, ça t'a fait un petit pincement au cœur aussi? Oui, j'étais au stade, bien sûr, ouais. J'ai connu Jean-Bouin très jeune. En tant que spectateur, j'étais avec mon père, on est allé à la butte, c'est des souvenirs impérissables. J'ai pu jouer sur Jean-Bouin. J'ai monté cette fameuse tour quand les Costières étaient en construction, la tour jaune qui avait derrière le cop des Gladiators. Et on allait voir comment ça a évolué dans les années 88-89. Qu'elles sont enlevées. Ouais. Voilà, après on a pu jouer dessus, on a connu de grandes émotions en Coupe d'Europe, on a connu en Coupe de France des parcours magnifiques, en Ligue 1. Enfin voilà, donc j'étais dans le stade pour le dernier match, parce que ces deux stades m'ont donné cette passion, parce que voilà, ce maillot rouge vibre, me donne quelque chose de très profond en fait. Et j'ai vu sur ce dernier match, malgré les résultats qui n'étaient pas très très bons, le stade était plein. Il y avait plus de 9000 personnes. Et ça chantait, et voilà, on a un public, c'est un pays de football, c'est une région de football, et ça il faut le respecter. Et oui, on verra la suite avec le stade des Antonins pour quelques années, le futur stade des Costières. Alors ce soir, messieurs, on va parler des bons résultats du stade Bocquerois. Hein. C'est pour ça que Xavier est avec nous. On parlera aussi de l'arrivée du nouveau coach. Il y a eu beaucoup d'actualités cette semaine à l'OAC. Mais évidemment, on va démarrer par la principale information de la semaine, le départ surprise de Nicolas Usain, hein, qui a été annoncé avant-hier, alors que les Crocos jouent demain à Montauban. Hein. Pour le 8e tour de la Coupe de France. On va commencer par toi, Patrick. Est-ce que tu as été surpris quand tu as appris cette nouvelle de voir que Rania Saf se séparait de Nicolas Usain? Oui, parce que pour moi, ce n'était pas le bon timing, puisqu'il restait sur des bons résultats. Il était encore, bien sûr, avec les joueurs, il était proche de lui. Bon, ça a été une surprise, mais on sait que le football, ça va très très vite dans un sens comme dans l'autre. Et puis après, bon, en parlant du nouveau coach, bien sûr, qui est arrivé, bon, je crois qu'on en parlera. Je crois qu'il y avait peut-être d'autres noms, donc ce n'est pas pour essayer les pompes à mon ami Patrice Baumel, qui avait quand même tout le talent pour essayer les Olympiques un peu plus jeune, peut-être. Il n'y a rien contre M. Bompard, mais je crois que c'était le moment idéal. Il a prouvé au niveau international des compétences extraordinaires, donc c'est un peu dommageable. Xavier, tu suis évidemment ce qui se passe au Nîmes Olympique. Comme disait Patrick, le vestiaire était encore en adéquation avec le coach qui venait de redresser la barre avec 4 points sur les deux derniers matchs. Nîmes l'a parté pour cette longue trêve en n'étant pas relégable. Même si tu es serré, est-ce que tu as compris ce choix du président, ton homologue de Nîmes? Ben moi, je pense que c'est quand même un pari risqué de changer l'entraîneur, là, notamment avec les derniers résultats qui étaient favorables, avec une victoire contre Bordeaux peut-être inattendue, parce que Bordeaux était quand même promis du championnat de Ligue 2. Donc c'est quand même un pari risqué en effet de changer d'entraîneur maintenant, surtout qu'on sait que les joueurs l'apprécient quand même bien, de prendre un coach qui n'est pas d'ici, qui ne connaît pas forcément le Nîmes Olympique.
au contraire de Patrice, justement, il connaît très bien le club. Et je pense qu'il y a un esprit famille quand même dans ce club qu'il faut conserver. Et que c'est ça qui a fait sa renommée, sa réputation, ses résultats. Parce que tous les résultats qu'il y a eu Bon, ces après, dernières Nicolas années. Hyzen n'était pas forcément du. C'était un Oui, Marseillais, mais pas c'est, forcément du cru, ni moi. vrai, c'est vrai. Mais moi, j'aurais préféré, en effet, quelqu'un du secteur, quelqu'un qui porte le club dans son cœur. Qui, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que M. Bompard n'aura pas de résultats, Ouais, bien etc. Hein. sûr. Ça, c'est certainement un très bon entraîneur. Hein. Mais voilà, moi, ça aurait été mon choix, en tout cas. Patrice, aussi, qui suit quand même l'actualité du Nîmes Olympique, d'autant plus que tu es revenu dans le coin. Est-ce que ce choix aussi t'a paru étonnant? C'est une année folle, que ce soit en Ligue 1, On Ligue l'a vu. 2 nationale, avec 4 descentes de Ligue 1, Ligue 2, idem de Ligue 2 en nationale et 6 en nationale. Je vois des présidents qui, lorsqu'il y a des séries de mauvais résultats, ils hésitent, ils savent pas, ils ont peur de descendre. C'est une année folle et les présidents, en fait, ils prennent des décisions, mais sans trop se mouiller. Je vois en Ligue 1, pas mal de coachs ont été mis de côté. Et ils ont fait des solutions en interne, ils attendent. On voit Reims qui, je crois, a confirmé Will Steel qui n'a pas le diplôme, il préfère payer des amendes. Brest qui devrait nommer un nouveau coach. Est-ce que c'est la crainte, pour un peu se faire l'avocat du diable de Rani Assaf, est-ce que c'est pas la Oui, crainte des quatre descentes? Il a clairement. dit, il a répété plusieurs fois, là, c'est la ligne rouge Clairement. du national. Nîmes a quand même déjà perdu 8 matchs en 15 journées. Est-ce qu'on a la crainte? Ouais. Clairement, c'est les présidents. Xavier est président, il le saura mieux que moi. Mais en fait, le président, lorsqu'il change de coach, c'est pas contre le coach. Il cherche ce fameux choc psychologique de dire on change quelque Le chose. fameux électrochoc. Les fameux joueurs qui sont peut-être mis de côté par le coach parce qu'il fait des choix, mais on remet les compteurs à zéro. Et en fait, on attend ça. Mais le timing, est-ce qu'il est bon? Je ne sais pas. Ce match de Coupe de France, est-ce que le staff va être maintenu? Est-ce que M. Bompard arrive avec son staff? Est-ce que les joueurs… Alors, il Je devrait sais. arriver seul, très Voilà. probablement. Donc déjà, il y aura un air de famille puisque Sacha Gauyer, certains vont rester. Mais c'est une année folle, pas que pour Nîmes Olympique. On voit chez nos amis Héraultais, on ne sait pas trop. Olivier Dalloglio a été écarté, on garde Pitot, on ne garde pas Pitot, finalement on le garde. Et puis, Oui, c'est une année folle. c'est compliqué. Et… C'est un petit peu général, oui. Ouais. Oui. Ce que je voudrais Oui. rajouter, c'est que Oussai, il a voulu tellement faire avec Benezet, pour lui, c'était son choix premier. Je crois que d'être débarqué, c'est un petit peu parce que la blessure de Benezet et aussi la blessure pendant Benezet 4 ou 7 matchs. qui s'est senti responsable. Ouais, Il a même dit, je responsable. me sens responsable parce que j'aurais voulu être là et. Parce qu'il avait poussé énormément pour que ça soit vraiment le meneur de jeu du Nîmes Olympique. Et la blessure pendant 4-5 matchs de Benoît Poulin, où on a pris une avalanche de buts, je crois qu'il paye les deux absences alors qu'il y est vraiment pour rien. Mais comme le disait Patrice, c'est le football actuel. Tout le monde et les présidents, ils ont peur. Et oui, justement, tu parles de Nicolas Benezet. Richard Gauyer, ce matin, a donné des nouvelles plutôt positives. Enfin, il y avait une nette amélioration concernant sa cheville pour l'ancien Nîmois qui est revenu cet été. Et Richard Gauyer, justement, on va l'écouter. Il parlait aussi du ressenti des joueurs après le départ de Nicolas Hyzen. On l'écoute. En majorité, à trois quarts du vestiaire, si ce n'est pas plus, il y avait quand même des joueurs qui ont un petit peu accusé le coup. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ça va au-delà du professionnel. Forcément un petit peu affecté. Ça fait 2 jours que je dors pas forcément très bien. C'est fort ce qu'il dit Patrice, toi qui as été adjoint pendant 15 ans et qui as eu ensuite une expérience en tant Oui. que numéro 1. Alors il le dit après, il a quasiment l'habitude parce que depuis qu'il est dans le foot, il en a vu passer Bien une sûr. vingtaine des entraîneurs. Mais là en plus, Nicolas Hyzen était plus que son Oui. ami. C'est pas évident là. Ils se sont connus à Istres il y a une vingtaine d'années, ils se sont suivis, ils sont amis. Mais c'est vrai que lorsqu'on est Faut pouvoir adjoint, encaisser. exactement, mais lorsqu'on est adjoint, on est très proche du numéro 1 et c'est comme un couple. Hein. Et je crois que ça fait jamais plaisir. Alors soit l'adjoint, qu'est-ce qu'il fait? Il suit. Mais dans la conjoncture actuelle où les clubs n'ont pas trop de moyens, souvent la personne reste parce que c'est économique aussi. Alors je ne sais pas pour Chacha, puisque lui, ça fait des années qu'il est à Nîmes et On se dit puis. un jour, pourquoi pas lui serait propulsé? Oui, Alors on parce sait qu'il n'est pas trop il a son dans. expérience. Après, c'est des choix. Est-ce que lui Se se sentirait de. sent de devenir numéro un? C'est un choix. Moi, j'ai été adjoint parce que je savais qu'il fallait que je sois adjoint. J'ai démarré très jeune pour un jour devenir numéro un. Mais que ce soit avec Régis Brouard ou avec Hervé Renard, il savait très bien qu'un jour, j'allais devenir numéro un parce que c'était en moi. C'était dans mon ADN. Mais est-ce que Chacha a envie d'être numéro un? Je ne sais pas. Mais la place de l'adjoint…
aujourd'hui est très importante parce que c'est souvent lui qui anime les séances, qui est proche des joueurs. Mais voilà, ce que j'aime chez Chacha, c'est qu'il est toujours fidèle à son numéro 1. Il a été avec François Blacard, avec Bernard Blacard. François, c'est le DTN. Exact, qui m'avait fait passer mes diplômes à l'époque. C'est nombreux dans la famille Blacard. Mais c'est quelqu'un qui est très proche de ses coachs et qui est fidèle. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie profondément. Tout à l'heure, Patrick, tu voulais rajouter quelque chose, Xavier? Je voulais rajouter quelque chose. C'est que je pense que le travail d'adjoint et le travail de coach numéro 1, c'est quand même pas la même chose. Et je pense que toi, tu le sais bien parce que tu as fait les deux. Je pense qu'on peut être un très bon adjoint et ne pas forcément être un très bon numéro 1, vice-versa, parce que je pense que la gestion du groupe, la proximité avec les joueurs en fonction du poste qu'on occupe, elle est quand même pas la même. Et pas tout le monde est capable d'assumer l'un des deux rôles ou les deux rôles. Je pense que c'est ça qui... Ouais. Donc, je ne sais pas du tout si la... Effectivement, voilà. Il y a ce côté-là. Le gros problème aussi, c'est lorsqu'on est adjoint, on est dans les confidences des joueurs exactement. Et on doit, en fait, on prend les infos et on doit savoir ce qu'il faut remonter au coach. Trier. Parce qu'il doit faire ses choix et se garder pour soi en essayant de résoudre, nous, les choses, mais sans jamais trahir la confiance du coach. Et si on passe d'un coup numéro un, le joueur, il n'y aura plus la même relation. Ça, c'est sûr. Après, il y a aussi une question de diplôme, puisque d'où le fait un BEPF. Que Nîmes opte à chaque fois pour donc voilà, donc ça c'est autre chose. Et aujourd'hui, pour avoir le BEPF, c'est vraiment pas évident. Voilà. Patrice, tu n'as pas de club actuellement. Patrick, vanter un peu tes mérites. Mmh. Est-ce que ton nom a un petit peu circulé comme d'autres? Est-ce que tu as été contacté? Alors, par le club, par le président Rania Saf, non. Par contre, je remercie tout le monde parce que j'ai reçu hier peut-être 200 ou 300 messages de suite. C'est-à-dire que même on m'a même envoyé les messages avant même que j'apprenne que Nico, puisque dans la petite famille du football, il s'était dit que non, le coach allait rester. Donc, il n'y avait pas de raison de postuler. Et ces messages te disaient quoi? Est-ce que tu ne veux pas y aller? Oui, non, c'est ton tour. On a envie que tu viennes. C'est toi la solution. Donc, je regardais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est vrai que j'ai vu ça sortir quelques heures après. C'est vrai que c'est mon club de cœur. J'y ai joué plus de 10 ans, j'ai entraîné. Est-ce que là, à ce moment-là, ça t'aurait plu Tout à fait. Ouais. Mais je crois que c'était déjà trop tard lorsqu'il y a eu cette dynamique de postuler, puisque le choix était déjà fait avant même, je crois, de se séparer de Nicolas Hussaï. Le choix, Rania Saf avait déjà... je pense acter la venue de Fred Bompard. Eh bien justement, la transition est trouvée sur ce nouveau coach qui sera présenté officiellement lundi à 11h. Ça sera très probablement lui, on le voit à l'image, Fred Bompard, qui a été l'adjoint, justement, on parlait des agents de Rudy Garcia pendant quasiment 20 ans, qui a passé son diplôme en mai 2021, qui a fait 6 mois à Guingamp. Un mot rapidement, est-ce que vous le connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, toujours difficile de juger, évidemment, avant qu'un coach arrive, mais... Patrick. Bon, moi, je le connais que comme ça. Disons que je n'ai pas suivi trop sa carrière puisqu'il a toujours été… Il a l'expérience, c'est la Roma, il a l'expérience. Lille, champion de France comme avec Lille. Le disait Xavier, il était un peu numéro 1 au début. Il était à Béziers, je crois, en CFA2, un peu au début, au Paris-FC. C'est quelqu'un d'expérience, tout ça. Mais là, vraiment, il va falloir qu'il prenne le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire à Nîmes, pour arriver à faire quelque chose. Parce que quand on arrive comme ça, si on est tout seul, il faudra que Chacha soit… très très bon encore, comme il est toujours avec tous les coachs, et d'être aussi enthousiaste et toujours envie de faire pour le mieux pour le club, c'est-à-dire d'y donner les meilleures armes pour que le club puisse se maintenir en Ligue 2. C'est vrai que c'est un nom pour les supporters qui peut paraître un peu inconnu. On parle surtout de sa carrière d'adjoint, voilà, très peu d'expérience en tant que numéro 1. C'est normal qu'il y ait un petit peu de défiance. C'est bien pour lui, je pense que c'est le moment... S'il a fait ce choix de devenir numéro 1, de ne pas suivre Rudy Garcia puisqu'il est en Arabie Saoudite, oui. Al Nasser, c'est parce que peut-être il voulait continuer sa carrière de numéro 1. Il a les clés du nouveau stade. Lui, c'est une année charnière pour Nîmes de toute façon. Quand on quitte les Costières, on va dans ce stade qui, j'espère, va nous porter bonheur. C'est une année charnière où il ne faut pas descendre. Il va falloir être des soldats et des guerriers pendant 6 mois ou des gladiateurs. Mais il ne faut pas descendre, voilà. Xavier, on dit souvent que Nîmes, c'est un petit Marseille. Il a été 3 ans à Marseille. On dit qu'on parle de lui, pour les, non, mais les confrères, qui, notamment de la province, nous ont dit qu'il avait une sacrée… C'était une personnalité. Ça peut coller aussi avec Nîmes. J'espère que c'est l'entraîneur du renouveau parce qu'à un moment donné, il faudra bien que Nîmes reprenne une marche en avant. Hein. Donc, ça fait quelques années que c'est difficile depuis la descente de Ligue 1. Donc voilà, moi je lui souhaite le meilleur et que dans ce nouveau stade il enchaîne les victoires, que Nîmes se maintienne et puisse espérer à rejouer une montée en Ligue 1
rapidement, hein. C'est ce qu'on espère tous. Hein. On verra en tout cas ses premiers mots lundi pour finir sur le Nîmes Olympique, messieurs, parce qu'il y a un match encore demain. Hein. On rappelle qu'après, il y aura 10 jours de vacances pour les joueurs, une longue trêve avec quasiment une nouvelle préparation avec cette Coupe du Monde, hein, le prochain match du championnat le 26 décembre dans le stade des Antonins. Ouais. Beaucoup d'actu avec les crocos comme toujours. Match à Montauban demain, éviter le piège. Cette équipe de R2 qui avait éliminé Alès au tour précédent, 8e tour pour aller chercher un ticket en 32e début janvier. Match à 15h. Et donc Richard Goyer qui assure l'intérim demain, qui doit composer avec 9 absents quand même. Ben Raoult, Poulain, Guessant, Thomasen, Koné qui sont ménagés. Diga et Delpech suspendus. Puis Doucouré qui est en phase de reprise. On va découvrir le 11 probable du coup pour demain. Avec une équipe quand même qui reste plutôt compétitive, hein, vous me direz ce que vous en pensez, pour affronter Montauban, pour se déplacer là-bas à Serpiac avec donc Pjörner, Guessoum, Durand de Gévinier, Vargas, une défense qui tient plutôt la route. La bonne Fomba et du coup la petite surprise, c'est Marius Zampa, ce jeune joueur qui n'est pas encore professionnel, qui pourrait être titulaire en l'absence du coup de Ben Guessant et de Delpech et puis du classique devant Pagis, Saïd Chokouté. Ça tient la route quand même, Patrick. Oui, ça tient la route, mais il faut faire attention parce qu'un match de coupe, c'est un match de coupe. Hein. Moi, j'ai des souvenirs. On annonce de la pluie, un terrain un peu. Voilà, le paramètre typique du match de Coupe de France. Juste hein. Une image, il y a 40 ans en arrière, j'étais entraîneur joueur à Rumilly, on était en DHR, on reçoit Montélimar, qui était premier en 3e division, il y avait 5 divisions d'écart, il y avait ça de neige, on gagne 3-2. Donc, méfiance quand même. Voilà, je pense que ça doit passer, mais il n'y aura pas de la neige, il n'y aura pas besoin des pneus. Ouais, c'est matchs, ce qu'a insisté le coach aussi. Les matchs de Coupe de France, c'est quand même souvent des matchs au mental, voilà, où il ne faut pas que Nîmes le prenne par-dessus la jambe, il faut qu'il fasse un match. Encore plus dans cette période. Voilà, ouais. Il ne faut pas que ça devienne le match de la peur, le match du doute. Non, mais... voilà, il faut qu'ils aillent là-bas, qu'ils fassent le boulot, qu'ils se qualifient comme ils doivent le faire. Et voilà, mais il faut prendre au sérieux cette équipe de Montauban qui quand même, il me semble, à 2 ans, elle fait déjà un parcours. Oui, puis là, qui a gagné 6 rencontres. Ouais, voilà, donc il faut faire attention, il faut jouer le match sérieusement. Moi, je pense que pour cette année 2023, c'est 5 semaines de trêve. Il va falloir que tous les joueurs puissent revenir, qu'on puisse compter sur tout l'effectif. Parce que quand Nîmes a son effectif au complet, je trouve que c'est une très bonne équipe de Ligue 2. C'est pour ça que Ben Raoult aussi devrait revenir. Ben Raoult, voilà, des Bénézé, des Poulain derrière. On a besoin. On ne peut pas faire qu'avec des jeunes. Il faut trouver ce mix entre des joueurs d'expérience. On le voit même au très haut niveau, l'équipe de France. Où, ouais. Moi, dans ma carrière, j'ai pu entraîner des joueurs. Il faut des joueurs qui on sait, quand on les met, ils ne seront jamais mauvais. Ils seront au moins bons et on compte sur eux. Absolument. C'est des certitudes. Pour un coach, on a besoin de ça. Et donc, je souhaite au Nîmes Olympique d'avoir une équipe type qui puisse enchaîner, parce que je vois Nico, chaque fois il était obligé de composer, oui. Changer, mais en tout cas j'aime beaucoup Pagis, j'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre ces dernières semaines. Il me rappelle son papa dans la beauté, ouais. Du football, quand il joue la tête un peu levée comme ça, le torse c'est dans les avant. Gènes, tire, ouais. mais surtout voilà, il joue juste, on sent qu'il est très football, oui. Avec Bénézé, avec des attaquants qui vont bouger autour d'eux. Je pense que si on a l'équipe type, il n'y a pas de souci, on se maintiendra sans problème. Après, il n'y a rien de pire pour un coach que d'avoir un effectif et de ne pas pouvoir aligner ses joueurs parce que… C'est ce qu'a subi aussi Nicolas Usain. On part avec une idée de jeu, et avec des joueurs sur qui on compte. Et c'est vrai, quand ils sont souvent absents, c'est compliqué. Même Benoît Poulain, le capitaine, qui a manqué quelques matchs. Voilà. Un match du Nîmes Olympique qui sera à suivre en direct audio sur Objectif Gare demain. Norman Jardin, que tu connais bien, Patrick. Mmh. Partira de bonne heure demain matin direction Tarn-et-Garonne pour nous commenter cette rencontre donc en direct depuis la cuvette de Sapiac, là où joue d'habitude le rugby à Montauban. On referme donc cette page Nîmes Olympique parce qu'on va parler de la décla de la semaine. Elle est signée d'Hakim Malek, le nouveau coach, parce qu'il y a eu vraiment, on le disait, beaucoup d'actu. Les deux premiers clubs, on peut dire comme ça, gardois, qui ont changé d'entraîneur dans la semaine. Nouveau coach de l'OAC présenté lundi pour remplacer Stéphane Sorin. Écoutez une décla choisie. Excuserai la vulgarité, mais si demain tu dois donner un aspect à cette équipe, tu donneras un aspect à une équipe batailleur de cette équipe. Voilà, ça sera la base de l'équipe. Aujourd'hui, pour moi, on n'a pas assez de talent individuel pour pouvoir faire des diffs dans cette équipe. Par contre, on peut construire quelque chose de fort collectivement sur d'autres valeurs. Xavier, toi qui es président, un coach que tu recrutes et qui arrive avec ce discours-là en disant on n'a pas forcément de joueurs qui peuvent porter l'équipe, on va tout miser sur le collectif, qu'est-ce que ça t'inspire? J'ai l'impression que c'est l'ADN du football gardois quand même, cet esprit de combattant. Batailleur, il a voilà, dit. Oui, mais voilà, parce que Nîmes là, nous on est connus dans notre championnat pour être une équipe dans ce style-là, Alès ouais. Également, donc j'ai l'impression que... Voilà, que c'est un peu l'ADN du football gardois. En tout cas, moi, j'aime bien ce discours. Ça prouve qu'il est motivé, qu'il a envie de,
qu'il a envie de réussir. Et bon, il a une tâche difficile également, hein, parce que... Et oui, il faut aller chercher le maintien. Voilà, il faut aller chercher le maintien. Cinq équipes qui voilà. descendent aussi. C'est la poule sud est une très grosse poule, avec des grosses équipes, des gros budgets. Pour être un peu au courant de choses, je sais qu'il était dans les plans de une ou deux grosses équipes de la poule. Donc c'est Alès qui l'a fait, mais je lui souhaite bonne chance également. Là aussi, ils ont pris du temps du côté d'Alès pour prendre ce coach. Il a été entraîneur adjoint aux côtés de José Pasqualetti. On voit les liens du foot, Jean-Marie, le fils, qui est désormais directeur sportif de l'OAC. Qu'est-ce que tu en penses d'Anki Malek? Est-ce que tu le connais, Patrick? Pas personnellement, je l'ai vu travailler à Nîmes. C'est sûr que c'est un bon coach. Mais là, j'ai vu les joueurs, un peu les déclarations des joueurs qui m'ont déçu vis-à-vis de Sora. Il a dit maintenant, on travaille beaucoup plus, on force un peu plus. Donc ça, c'est un peu décevant. Ça veut dire qu'ils ont dû lâcher Sora alors qu'il avait fait une carrière exceptionnelle. Alors voilà, contrairement au Nîmes Olympique, on avait le sentiment que les joueurs... C'est pour ça que je suis... voilà, c'est la différence à Nîmes Olympique. Moi, les joueurs, je les connais. Bon, Poulet, j'avais des contacts avec lui, j'ai des contacts. Tu sentais que c'était pas pipé. Et là-bas, peut-être que pour Sora... On l'a vu dans les propos de Richard Goyer. Absolument. Le vestiaire a quand même été surpris. C'est une différence qui est vraiment importante vis-à-vis entre les deux clubs. Oui, il a dit aussi que lui, il avait une proximité avec les joueurs. Il pouvait boire un verre avec eux, mais quand il était sur le terrain, c'est vrai qu'il a déjà changé des choses. Tu parlais des détails. Il a rajouté un entraînement. Les entraînements sont plutôt l'après-midi. Patrice, qu'est-ce que tu en penses de ce choix? Je veux dire, déjà, un Fosséen s'en va de Nîmes pour un autre qui arrive dans le Nord. Donc, c'est au final, c'est bien, non? Ce que je voulais dire, on sent son discours qui est dans le combat, dans l'esprit de groupe. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal, moi, lorsqu'un coach arrive, lorsqu'il veut tout changer. C'est comme si le coach d'avant… Oui, il affiche une certaine sérénité. De toute façon, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai regardé un petit peu son profil. Et c'est quelqu'un qui a aussi entraîné en Algérie, qui a du charisme, qui a une grosse personnalité. Mais Fred Sora, que j'ai connu, on a joué contre lorsqu'il était à Mende, c'est quand même quelqu'un qui a fait monter l'équipe, ça se respecte. Et je pense que… C'est un contexte difficile. C'est ça. Ouais. Et là où j'ai du mal, c'est que c'est vrai qu'on se sépare des coachs. On n'a pas le temps forcément, il n'y a pas de cérémonie à faire. Ouais. Mais je pense qu'il aurait mérité peut-être des remerciements parce qu'il a fait un grand travail à l'OAC. Surtout qu'ils ont mis du temps. Hein. Il s'est collé son adjoint. C'est ça. Donc après, c'est souhaiter bonne chance. Lorsqu'un discours passe plus, ça faisait combien d'années qu'il était là, Fred? Quatre, cinq ans. Donc c'est vrai que c'est quand même oui, c'est une page qui se tourne. Grosses années. Bonne chance à lui. C'est vrai qu'il faut maintenir l'OAC en National 2. Mais je pense qu'il faut se servir de ce café, Steph. Et après, c'est normal qu'un entraîneur qui arrive impose aussi sa patte. Bien sûr. Alors l'autre chose, c'est-à-dire que lui, il travaillait aussi, Sora. Voilà. La grande différence, elle est là. Lui, il arrive, entraîneur. C'était une volonté d'ailleurs de la direction. Ouais, c'était une volonté aussi du club de ne pas trop peut-être donner un petit peu d'argent. Donc à un certain moment, il paye les pots cassés parce que quand il doit avoir ça, j'ai un peu de peine pour lui. Mais j'en reviendrai parce que c'est solide. C'est vrai qu'il y a une réelle changement. En tout cas, il y a un vrai choix de dire on a un entraîneur qui fait que du football. Oui, surtout que moi, Steph, on se connaît un petit peu parce que bon, on s'est affronté pendant quelques années. Et même quand j'étais plus jeune, il était coach des 18 ans. Et Bocquer gagnait souvent à domicile contre Alès. quand j'étais jeune, il était coach des 18 ans à Mende. Je me rappelle, c'était lui le coach déjà. Et il est arrivé dans un contexte difficile où l'OAC devait descendre quand même. Il a été repêché sur une descente administrative de je ne sais pas qui. Et la saison d'après, il caracole en tête tout le championnat. Il se fait passer par Montpellier en Coupe de France. L'épopée en Coupe de France pendant le Covid aussi. Nous, on va les battre à Pibarro et Zéro. On sort de la zone de relégable ce jour-là. Et lui, malheureusement, il perd la tête du championnat ce jour-là. Enfin, malheureusement pour lui, heureusement pour lui. Il est arrivé dans un contexte très difficile où il loupe la montée de peu la première année. Et c'est on sait ce que c'est. Quand on loupe une montée, c'est très difficile de repartir la saison d'après parce que tout le monde est déçu. Et finalement, il a réussi son objectif. Donc, il faut quand même tirer un chapeau parce qu'il a fait un vrai boulot. Après, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est dans l'ADN du Gard d'avoir des joueurs guerriers, combattants, mais il y a quand même des bons joueurs de ballon dans le Gard. Il faut quand même trouver le juste équilibre entre être engagé, être combatif, ça c'est sûr. Mais on peut jouer au ballon dans le Gard. Il y a de la qualité, même dans l'Occitanie, dans la région. On parle souvent du centre de formation de Nîmes qui a perdu l'agrément, les U17 de Salim Fiorentino.
que Patrick salue. Ils sont quand même premiers. Ils jouent Marseille là, ils ont fait match nul contre Bordeaux. Donc voilà, c'est quand même ça des choses. Et d'ailleurs, des joueurs, le Cabals, qui cette année. Il faut trouver le bon équilibre. On ne peut pas être que dans le combat non plus. Et voilà, il faut trouver la bonne recette. On a des bons joueurs. Il faut dans une équipe, il faut des guerriers, il faut des meneurs de jeu, il faut des garçons qui courent, qui font les efforts. C'est un équilibre, mais il ne faut pas toujours être le gars, c'est bourrin. Non, je ne suis pas d'accord. Oui. Il y a des bons joueurs. Xavier, est-ce que toi déjà, en tant que président, on va parler de Beaucaire, est-ce que toi déjà, tu as dû changer d'entraîneur depuis que tu es à la présidence? Pas du tout. Nous, on a opté sur la stabilité. Parce que fait combien de temps que tu es en poste? Moi, c'est ma 8e saison. Donc, j'avais 26 ans lorsque j'ai pris la présidence du club. Donc, ça a toujours été Sofiane Carletta, l'entraîneur de. Ça fait plus de 10 ans qu'il est en place. Et oui, parce que c'était mon coach avant ça. C'est rare, nous, on a opté pour la stabilité. Même dans les périodes. Même dans les moments difficiles, ou la première année de N3, on est dernier à la trêve. Hein. Donc, je crois qu'on n'a qu'une victoire. Il y a eu des moments où tu t'es posé la question mais Non, absolument pas. Parce que déjà, l'humain, la proximité que j'ai avec lui, déjà fait que je lui fais entièrement confiance. Et il me fait entièrement confiance. Donc, on a un rapport vraiment très fraternel, on va dire, tous les deux. J'ai toujours fait confiance. On a toujours tiré dans le même sens. Donc, ça se passe très bien. Cette longévité, cette confiance, parce que ça fait, c'est la 5e saison d'affilée que vous êtes vous êtes à N3, vous avez fini 5e l'année dernière, là vous êtes 2e, on va parler du match de demain, c'est aussi un peu la clé de la réussite, d'avoir cette stabilité des échelons. L'objectif, de toute façon, c'est de progresser d'année en année. Donc, la première année de National 3, on a beaucoup appris de nos erreurs, où on s'était trompé, je pense, dans le recrutement, dans plein de choses, dans la manière de travailler, d'aborder ce championnat. Voilà, je pense que notre faculté a été de bien analyser ça, de ne pas refaire les mêmes erreurs, ce qui fait qu'on a pu progresser chaque saison. Pourtant, à chaque été, vous perdez pas mal de joueurs aussi. On ne peut pas s'en plaindre parce que c'est le projet du club. On n'a pas énormément de moyens. Donc, le projet du club, c'est d'être un club tremplin. De relancer des joueurs. Voilà, exactement. De prendre des joueurs en méforme, qui reviennent de blessures, etc., qui viennent faire une ou deux saisons chez nous et qui rebondissent plus haut. Voilà, il faut dire que certains ont réussi à toucher au monde professionnel. Déjà, en 5 ans, on a fait signer 14 joueurs au niveau supérieur. Ils sont passés chez nous, après ils sont allés au niveau supérieur. C'est donc, ils n'ont pas tous signé pro. Hein. Il y en a qui sont allés à N2, à N1. On avait, la première année, on a deux joueurs qui ont signé à Avranches, à National 1. Là, on a un joueur dans Medine Daoudi qui était chez nous depuis 16 ans, qui a signé professionnel en Ligue 1 algérienne. Oui, au CRB Louizdad. Qui est très, très, très bon club d'Algérie. Ils ont joué la Champions League, ils ont fini champion. Donc, c'est une grande fierté quand même, parce que lui, on peut dire qu'on l'a formé. Il est arrivé chez nous, il avait 16 ans. Vous l'avez façonné. Voilà. Donc, c'est le projet. Donc, on ne peut pas se plaindre de perdre des joueurs. Au contraire. Voilà. Après, c'est à nous à travailler deux fois plus pendant le mercato estival. Et ça nous permet de... Contrairement aux clubs qui ont plus de moyens ou peut-être ils prennent un peu le premier qui arrive, voilà, nous on est vraiment dans la recherche du profil, de l'état d'esprit du joueur, on se renseigne sur lui, où est-ce qu'il a fait avant, etc. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'on recrute pas mal. Patrick, c'est un club historique, le stade Beaucairois. On se souvient même qu'il y a eu un passage en national il y a à peu près 20 ans. Et là, en 2003, on a fait le match, je faisais l'intérim de François Brisson, le dernier match à Beaucaire. Ouais. Il a fallu qu'on gagne 3-1. Toujours dans les bons coups. Et toujours dans les coups, c'était à l'arrache de l'arrache. C'est vrai que ça avait été très, très compliqué. Il y avait eu Beaucaire-Nîmes dans la même division. Absolument. Ouais. Et puis, en revenant, ils recrutent bien parce que là, ils ont le petit Lucas Valls, qui a joué à Nîmes Olympique, et qui a du talent. Je pense que ça va être très difficile peut-être à eux. Je te souhaite de le conserver, mais il était en train de faire un début de saison tonitruant. C'est quoi l'ambition à terme? Là, on le dit, vous progressez chaque année en N3. Est-ce que monter, là vous êtes deuxième, demain il y a un match en retard, si vous gagnez, vous vous rapprochez de 2 points de Béziers. Est-ce que monter dès cette année, ça paraît irréalisable? Ou c'est quoi un peu les objectifs là, sur les prochaines années? Non, parce que je pense qu'on peut rien s'interdire. On rappelle qu'il n'y a que le premier qui monte. Voilà, on ne veut pas se mettre de barrière, on ne veut pas être des moutons. On veut vraiment donner la plénitude de notre force. On veut aller le plus loin possible, le plus haut possible. L'ambition, c'est d'accéder au National 2. On y aimerait bien. Cette saison, fixé un cap? Oui, on veut progresser chaque année. Donc, si forcément cette année on finit second, l'année prochaine. Vous avez fini 5e l'année dernière. Est-ce que financièrement ou au niveau des infrastructures, ça ne va pas coincer à un moment donné? On sait que c'est important. Voilà, au niveau des infrastructures, non, parce qu'on a des très belles infrastructures à Beaucaire, un très beau centre d'entraînement,
où il y a de quoi bien travailler, on a un beau terrain d'honneur, voilà, donc où, bon, les pelouses doivent être un peu entretenues, mais il y a beaucoup de monde. Ça, c'est, si le monsieur le maire nous écoute, qui était là dans la semaine, ouais, le voilà, message est passé. Il y a beaucoup de monde à Beaucaire qui joue, hein, donc bon, forcément, il y a de l'entretien à faire. Mais oui, sinon, après, financièrement, oui, on a besoin d'aide, on a besoin de partenaires, on a besoin de soutien. Oui, parce qu'on voit à l'AS1 N2, tous les joueurs sont quasiment pros, ils ne font que du foot. Alors, voilà, les salaires, évidemment, sont plus bas. Ce qui n'est pas le cas chez nous, voilà. Voilà. Nous, les joueurs qui travaillent. Il y a un vrai gap qui est franchi. Voilà, donc, nous, là où vraiment on doit s'améliorer, c'est sur ce côté financier, où on a vraiment besoin de partenaires, de personnes qui nous aident à nous développer, parce qu'à un moment donné, c'est quand même, il faut le dire, c'est un frein. C'est un vrai frein parce qu'on ne peut pas jouer à un certain niveau avec aucun moyen. C'est trop compliqué. Et en termes de partenaires privés, voilà, il y a aussi, j'imagine, une recherche des entreprises du territoire pour vous accompagner sur la terre d'argent. Oui, on est en recherche. On n'en a pas beaucoup qui nous aident. Hein, on est en recherche. Donc, voilà, on continue à travailler. C'est pour ça qu'on fait plein d'actions, qu'on ne fait pas que du football au Stade Beaucairois, voilà, pour avoir un maximum de visibilité, un maximum de soutien. Oui, c'est important de le signer. Vous êtes assez précurseur aussi dans le département sur des actions sociales qui ont été récompensées au niveau national auprès des enfants, leur faire d'autres choses que le football, un vrai accompagnement. On intervient sur la citoyenneté, la parentalité, la féminisation. On a fait le futsal, on a fusionné avec le futsal. Enfin voilà, on est quand même dans un champ d'action. C'est vrai que dans une commune comme Beaucaire, on le rappelle, qui est dirigée par un maire rassemblement national, c'était une volonté aussi d'apporter ce lien social parce que voilà, vous dépassez vraiment vos fonctions de simplement association sportive. Nous, franchement, que le maire soit du Front National ou pas, ce n'est pas ça qui nous a donné envie de faire. C'était juste qu'on a, voilà, au début du projet, on s'est dit, il faut être novateur, il faut lancer quelque chose de nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a trouvé que ces actions sociales, c'était quelque chose qui ne se faisait pas dans le monde du foot, hein, pas beaucoup. Et c'était en plus le projet de la Fédé, hein, qui était de lancer vraiment… Et vous avez répondu. Voilà, on a répondu totalement à ce que la Fédé a voulu faire. En fait, on s'est basé sur ça. Hein. Donc, et ça a très bien fonctionné. On est très fiers. On est devenu le premier club du département, avec où on se bat avec Alès sur Nombre de licenciés. Voilà, nombre de licenciés. Mais voilà, on est le seul club à avoir le label élite. Qui est la plus grosse. D'ailleurs, Patrick était venu nous inspecter. Ouais. On est le seul club du département à l'avoir. On a le label argent pour l'école féminine. Enfin, voilà, donc on se débrouille quand même très, très bien. Et avec le foot féminin aussi qui est mis en avant. Patrice, vous êtes voisin de Beaucaire, le voisin de Xavier sur le canapé, mais aussi Joker, Beaucaire à côté. Tu as joué à Beaucaire jeune. C'est d'être sympa de voir que le stade beaucairois… Bien sûr, mon père a joué à Beaucaire. Il est né à Beaucaire. Mon grand-père, j'ai sa première licence du stade. Je l'ai gardé dans les années 30 ou 40. Donc ça remonte. Beaucaire fait partie de ma vie de football. Ce stade au pied du château, Schneider, enfin voilà, j'ai des souvenirs impérissables avec ce maillot bleu. Mais je crois que c'est 900 licenciés sur rien que Beaucaire. C'est énorme. Et mon souhait, ça draine au-delà de Beaucaire. Voilà, mon souhait, c'est de pouvoir que cette région, cette ville, mais toute la région fonctionne mieux parce qu'il y a une pépinière de joueurs, que ce soit Beaucaire, mais dans toute la région. Et je regardais France-Afrique du Sud au Vélodrome en rugby. Ouais. Quand je vois la discipline, l'arbitre vient, met un rouge. Alors bon ou pas bon, Dupont qui a pris 6 matchs ou autre, mais il n'y a rien qui se passe. Il prend son rouge, il part en courant. Hein? Le Sud-Africain qui met un coup dans la tête du Français, il prend le rouge, il part. On est dans une mentalité. Oui, mais c'est ça en fait. On a aussi un rôle éducatif, on est des éducateurs. J'en ai marre, moi, lorsque je viens chez moi en France, quand je suis à l'étranger en Afrique, quand je vois que ça se passe bien chez les jeunes, on voit des matchs, ça ne bouge pas, quand on est en France et que je viens autour des stades, que je vois les parents comme ils réagissent, qu'ils deviennent fous. Alors, je fais une aparté, mais c'est un message. Ah oui, les éducateurs, le rôle quotidien aussi, mais on est des éducateurs. À un moment donné, c'est de… Il faut arrêter, on ne peut plus, on se tue nous-mêmes. C'est le plus beau sport au monde. On a plein de joueurs, des jeunes qui s'identifient à nos plus grands. S'il vous plaît, gardons cet esprit éducatif. Il faut éduquer nos joueurs et joueuses. Il faut que ça change parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Et je voudrais que cette région du Gard, de l'Occitanie, fonctionne avec moi. J'aimerais voir des sports-études. Je me souviens, je suis nostalgique peut-être, mais de Dodé, de partout. On jouait au foot de partout. Oui, le sport était ça recrutait. Il n'y avait pas un bon joueur dans le Gard qui ne passait pas par Nîmes Olympique parce qu'il était recruté. S'il vous plaît, revenons à l'essentiel du football. Ils font leur boulot dans les villes. Quand je vois comment on se donne du mal,
Il faut que, voilà, Beaucaire, si ça monte en National 2, avec Alès peut-être en National, c'est ça. Et Nîmes qui doit être Ligue 2, Ligue 1, et voilà, ouais, et c'est, ouais, c'est cette dynamique-là. Le locomotive, hein. Le message est passé. Merci messieurs, on referme cette longue page, voilà, foot, ouais. On a fait le tour de l'actualité de la semaine. Alors avant que Patrice et Xavier s'affrontent au baby-foot, c'est la tradition dans cette émission. Alors en plus, il y a des rouges et des bleus, on peut avoir un derby Jonker Beaucaire. On va dire un mot de l'USAM quand même, qui joue ce soir à 20h30 à Évry pour la 10e journée de Star League. Les USAMistes, hein, évidemment, qui doivent s'imposer chez le 14e pour rester à hauteur de la 4e place, qui serait synonyme d'Europe en fin de saison. Patrick, rapidement, l'USAM, il ne faut pas interdire ce soir, il faut réagir. Il y a eu la belle réaction contre Istres en Coupe dans la semaine. Il y a eu la défaite contre Nantes, plutôt logique, puisque Nantes est leader du championnat. Mais là, à l'extérieur, il ne faut pas perdre de points face aux petites équipes. Oui, effectivement, hein, le président a vu les joueurs, je crois qu'il leur a dit défaite interdite. En plus, bon, avec le nouveau coach qui prend ses marques petit à petit, je pensais que ça serait plus facile. Mais bon, c'est quand même compliqué parce que le championnat est costaud, très, très relevé. Et je crois que là, s'ils gagnent, ils se relancent vraiment bien. Mais il faut faire encore une belle victoire en terre. En terre francilienne. Francilienne, exactement. Voilà. Messieurs, je vous invite à vous lever, à passer à côté de Patrick. Et moi, je serai l'arbitre. Et voilà, vous affrontez Patrick, vous surveille en tant que représentant du district de la fédération. On va en profiter pour découvrir la météo de ce week-end ensemble. Voilà, ce samedi, le Mistral va souffler ce week-end, pas mal de vent, et surtout demain avec des rafales, Patrick, proches de 70 km/h. Près du Rhône, compliqué de jouer au foot demain. Côté ciel, des passages nuageux nous concerneront, mais les éclaircies seront belles. Le matin, il fera autour de 7 degrés en moyenne. L'après-midi, on attend 14 à Nîmes et à Quissac, 15 au Gros-du-Roi. Dimanche, le soleil devrait l'emporter tout au plus, avec quelques nuages quand même qui seront présents. Le vent va diminuer, mais il restera encore assez modéré le long du Rhône. Alors messieurs, il y a eu un premier but. 1-0 pour Beaucaire. 1-0 pour Beaucaire dans ce match. On vous laisse continuer. Messieurs, Patrick, on va découvrir l'agenda de ce week-end. On l'a dit, le Hand joue ce soir. Évidemment, la Coupe de France, pas de match pour l'OAC. L'OAC, je vais oublier de le dire tout à l'heure, qui jouera un match amical face à Bagnoles demain à 10h pour Hakim Alek, pour la première fois, qui va permettre de découvrir un petit peu son groupe au-delà des entraînements. Montauban-Nîmes, donc demain à 15h, je vous le rappelle, à suivre en direct audio sur Objectif Gare. C'est Norman Jardin qui sera en direct de la cuvette de Siapniac pour vous commenter cette rencontre. On en a parlé, Beaucaire se déplace à Toulouse pour affronter la réserve du TFC à 18h, un match en retard. Si les Beaucairois s'imposent, ils reviennent à 2 points du leader Béziers. Et puis du rugby, le RCN, toujours solide leader, avec Patrick, qui a remporté le derby houleux. Ouais, c'était une bagarre générale, voilà. Tout ça, bon, à l'ancienne. Bon, à l'ancienne, ça, ouais. Mais après d'entrée en plus. Hein. Et puis derrière, ils ont remporté le match et déplacement donc à Vienne à 19h30. Et puis dimanche, il y a une autre équipe de N3 qui joue au-delà de Beaucaire, c'est Aiguemortes, les Saligny, qui reçoivent la réserve de Montpellier. Et pour les hommes de Johan Borg, il faut réagir après 2 défaites consécutives face à l'avant-dernier à domicile. Il faut repartir de l'avant. Hein, ça ne sera pas facile parce que c'est une équipe jeune, bien sûr, comme toutes les réserves. Bon, il va falloir qu'ils se ressaisissent, mais bon, les Saligny vont y arriver. Est-ce que le score a évolué, messieurs ? Oh, c'est serré dans cette rencontre. Allez, pour finir, on va prendre quand même un petit peu les pronos de chacun. Nîmes à Montauban, est-ce que quelqu'un voit une surprise ou voit les crocos quand même passer ce Non, ce je pense tour. Qu'on va se qualifier, mais ça sera compliqué. Mais surtout qu'il n'y a pas de prolongation. Donc, et oui. Le problème, il est là, c'est que plus ça va, le temps va jouer pour, Montauban. C'est ce qui a été délicat pour Alès, messieurs, Nîmes à Montauban. Victoire des crocos. Ouais. 2-1. Moi, je vois plus, 4-1. Allez, 4-1. Il faudra marquer tôt. Hein. On sait qu'en général, dans ces matchs-là, si on arrive à les piller tôt. Et un mot quand même de Beaucaire, on va en profiter que Xavier soit là. Est-ce que tu vois Beaucaire, ça sera pas facile à la réserve de Toulouse, mais Patrick… Je dois gagner 1-0, il va s'arracher. 1-0, Patrick. Je vois passer Beaucaire, bien sûr. Bon, Xavier, évidemment. Xavier, est-ce que tu feras le déplacement? Bien sûr, je fais tous les déplacements. Je suis tous les déplacements. Et voilà, président qui est avec ses joueurs. Je vais vous remercier, messieurs, en tout cas, d'avoir été ce soir. Vous avez passé un bon moment? Parfait. Moment magnifique. Et juste dire, un jour, je reviendrai à Nîmes Olympique. Eh ben, le message est noté, on le garde, c'est dans la boîte. Merci Patrick, on va se retrouver vendredi prochain, évidemment, ensemble. Je remercie aussi Nicolas Dombre, le réalisateur de l'émission, qui était avec nous ce soir. On va se retrouver donc vendredi prochain. Et le club Objectif Gare sera bien évidemment de retour lundi avec Abdel Samari, avec comme invité Jérôme Talon, le référent en marche du Gare. D'ici là, retrouvez toute l'actualité sportive tout au long du week-end sur Objectif Gare. Bonne soirée les Gardois.